Salut, c'est Escape pour Culture FPV. Alors, aujourd'hui, on va vous apprendre à faire un power loop, les gars. C'est pas la folie? Hello les boys. Hello les boys. On est avec les deux Suisses, voilà. Blackbird et Alex Cocoz. Alexandre Cocoz. Alias Wiz Khalifat pour les intimes. Ouais, voilà. Bon, ils sont venus nous voir, ils sont passés en vacances quelques jours et ils se sont dit, on est obligé de venir rider le bendo, le plus gros bendo du sud, notre bendo, emblématique du sud de la France. Et on va commencer donc une super journée. Vous avez hâte les gars ou quoi? Les deux ouf. Ça va être la satanerie. Avec le spot proxy juste à côté. Allez, incroyable. Bon, en tout cas c'est cool parce qu'ils ont quand même fait 2 heures de route pour venir jusqu'ici. C'est bientôt la fin des vacances, c'est le moment de casser les quads. Et on va s'éclater, on va passer une super journée. Allez, c'est parti les gars. Et bien entendu, on est avec toute la team du Cruiser 06 qui a pu se déplacer aujourd'hui, la team du Schlangi Club. Je vous présente le roi des Schlangi. Il est venu exprès pour cet événement, pour rider les sommets des montagnes. Non, je rigole, allez, viens. Viens, mon Schlangi. J'ai failli la sortir, je me suis dit non, ça se fait pas. Hello les boys. T'es notre princesse, on le sait. Arrêtez. LB1. Bah bien sûr, LB. Cool. Belle machine mon pote. Elle vole au moins. Elle vole nickel même. Ça c'est cool. Hello les boys. L'ami Crazy FPV. Yo, what's up les pilotes? Bienvenue sur le vlog de SP. Yo les gars, bienvenue sur le vlog de Escape FPV. Ah, merci beaucoup monsieur. De rien. Merci beaucoup. Lui je le floute, il est pas majeur. C'est quand même moi qui l'emmène l'autre. Aujourd'hui il y a mon héros. Tony. Escape FPV. Tony. Ah non, il est là tout le temps. Il y en a un qui se prépare et l'autre qui étudie le terrain. Exactement. Mais bon. Allez, vas-y. Là c'est pas mal, tu vois. Parfait. Et y a pas de tic. Y a pas de tic. Jamais, y a pas de tic. Tu vois? Ah, là t'as le trou, ouais. C'est là que toi tu le fais. Ouais, inverted et boum, tu retombes dedans. T'arrives d'ici, tu jongles un peu dans la forêt et que t'arrives à enchaîner sur le bendo. Et du coup, tu fais un mélange de juicy et de bendo en même temps. Et ça, c'est stylé. En faisant des lines et tout. Voilà, exactement. Tu passes dans les trous. Comme ouais, tu dis. Ouais, tu passes dans les trous. Et tu croches dans un arbre. On va éviter quand même. Mais de là où on est posé, tu peux large exploiter cette partie-là. Celui-là aussi, vu qu'on est dans l'alignement. Et ressortir par les portes qui sont sur les côtés gauche là-bas. On peut capter même derrière le bâtiment. Tout à fait. C'est pas un bâtiment fermé de chaque côté avec. Attention à pas aller de ce côté-là ou alors d'aller trop loin là-bas, tu vois. Voilà, ouais. Une fois, je me suis coincé dans le haut de ce cyprès là. T'as aidé pour le redescendre? Pourquoi tu poses des questions comme ça? Moi, je vois toujours l'envers des décors dans les stories. Voilà, donc tu sais la réponse. Voilà, je sais la réponse. Voilà, c'est là donc que t'avais fait aussi ton Oh My God comme Johnny, le oui, reverse ride. Tout au bout là-bas. Oh. Au niveau du rond-point, on s'était posé, ouais. Le reverse one ride. Trop fou. Et vu les nouveaux bandeaux de culture? Ils sont trop flambants, regardez, montre-leur. Là, regardez. Ils sont doux, ils sont confortables. Bon. Et ils en sont plus, incroyable. Et en plus, t'as vu pour la batterie? Ah ouais. Il y a en fait un silicone pour la batterie. Il y a un silicone un peu grippant à l'intérieur en fait. Et du coup, bon c'est bien pour la tête, ça croche, mais ils l'ont fait aussi à l'intérieur. Bah, je vais enlever la batterie. Ils l'ont fait aussi à l'intérieur de la batterie et ça c'est incroyable. Ouais. Moi j'avais dû du coup coudre pour pas qu'elle tombe en bas et en dessus, voilà. Et du coup là elle ne bouge pas et c'est incroyable, c'est parfait. Franchement, c'est la meilleure strap que j'ai eue jusqu'à l'heure. Ouais, moi aussi. Merci Culture. Ouais, merci Culture parce que c'est la vérité, c'est vraiment le meilleur strap qu'on ait pu avoir. Putain, je suis mon mot.
Et dans l'éjecte, en gros, au lieu de s'éjecter et de maintenir l'éjecte, genre en gros là, c'est, il va y avoir du yaw progressif qui va faire en sorte que ça fait un sort de drift, tu vois. C'est ça. Il pourrait y avoir drift dedans. Parce que c'est un drift en vrai. Ouais, et pourquoi pas yaw drift? C'est du yaw, tu vois. Ouais, yaw drift. Ouais. Yaw drift, c'est ouais, pas ouais, mal. Ça pourrait être pas mal, ouais, yaw drift. Ouais, franchement, ouais. C'est bien yaw drift. Ouais, yaw drift, c'est la folie. Yaw drift. C'est, hey, bon, c'est bon, on parle là-dessus. On l'a trouvé. T'es plutôt juicy ou t'es plutôt J'ai des belles cicatrices. Je m'en bats les couilles, t'es cicatrices. T'es plutôt team juicy ou plutôt team smooth? Ou plutôt team Longalonge. Team hasard. Ah, t'envoies et tu pries. T'envoies, tu fermes les yeux. J'ai mis des 50 et tu pries. Moi je veux pas en faire partie. C'est ça ou être con quoi. Non, je fais du 6S 2600 kW, j'ai pas le temps. Oh putain! Bah oui! T'es un mec énervé toi! Mais je suis un mec comme ça. Yo les boys! Comment ça va? Ça, c'est un XB V2. Je l'ai depuis l'époque du V2, tellement il est solide. Et ce soir, c'est au top. On va se faire un bon resto. Rester entre potes pour finir une session FPV, je pense que c'est une bonne idée. Mais s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, moi aussi. On est fans. Prenez un ticket. Prenez un ticket. S'il te plaît, s'il te plaît. On est des fans. Hein, s'il vous plaît. C'est vraiment nos boîtes de Fatshark, les gars. Oui, oui. Ah, oui, oui. On est heureux d'avoir un autographe. Bien sûr, mec. Bien sûr. Quand tu feras le tour du monde, tu demanderas à Skizzo et Johnny de te graffer ta boîte. Bah, si je les rencontre, bien sûr. T'es sûr? Ouais. Mec, merci, gros. Avec le Z de DBZ. Tu peux passer par-dessus celui de Bagdad. Parce que vraiment il est moche. Là il y a deux cœurs, là il y a un cœur. Mais on sait pas ce que mec a écrit. Waouh, Escape FPV, waouh. Ah oui, petit soldat. Au pire, je peux m'entraîner, je peux en faire une deuxième si tu veux. En fait, tu peux t'entraîner sur le t-shirt de Schlangui. Hein, Schlangui? T'es d'accord que Alex s'entraîne à créer sa signature sur ton t-shirt? J'ai assez de place. Ah ouais. T'es chaud? Il est chaud, gros. Oh, Schlangui, tu me fais rêver. Tu fais un truc beau, hein. Fais pas de la merde, hein. Tu fais de la merde. Ouais, bah fais pas de la merde, hein. Attends. Non, pas toi. Non, tu touches pas. Putain, mais... T'es sûr pour ton t-shirt? Mais oui. En tout cas, ma mère vous aime beaucoup, hein. Je sais pas, il y a tellement de trucs. Je suis trop fier, regarde. Mais là, ça va tousser là. Non, pas de longue allonge, Que du juice, Il prend 100 balles. FPV, on est dans le FPV, je crois, c'est notre discipline. Non. Allez. J'ai failli marquer motocross, mais je me suis dit que c'était pas le bon truc, motocross. Ouais, Damien, à ton tour. Non, mais moi j'ai pas du tout envie. Mais j'ai pas du tout envie. Je suis désolé. Pas sur bien. Désolé, mais je sais pas qui est ce mec là. Mais il fait de la motocross, non? Parfait. C'est le plus beau que j'ai fait jusqu'à maintenant. Hein. Tu vois ou pas? T'es appliqué, Damien? Je me suis appliqué deux. On dirait ta meuf. Non, on dirait un cœur quand même. Hein. J'avoue, c'est des cœurs. Il y a que des cœurs, trois cœurs. C'est que de l'amour, bébé. C'est débile. C'est toi qui es débile. Ouais, tu veux coup, tu veux quoi, toi? Tu cherches l'embrouille là? Becomes the hero. Salut mon Bobaïs. Salut mon Bobaïs. Ça va? Fais combien de temps que tu veux, toi? Du coup, ce juillet, ça va faire 3 ans. Du coup, j'ai commencé. Commencé un petit peu avant moi, en fait. Voilà, 3 ans. T'as commencé un petit peu avant moi. Et puis du coup, ça beau fait gosse. Une année et demie, j'ai un peu plus croché. Avant, je faisais un autre sport à côté. Ouais. Donc du coup, c'était exactement, voilà. Je connais ton historique. Et, je vois. Et du coup, c'était plus un petit passe-temps pour le kiff et tout. Puis bah maintenant, c'est... Maintenant c'est Falco. C'est Falco. En plus t'es pas du genre à changer régulièrement de firmware. T'es pas dans cette hype de changer régulièrement, de passer à la toute dernière nouveauté. Vraiment pas, non. Dès que j'ai quelque chose qui marche, je ne le touche plus. Bah que ce soit pour les firmware, là j'en ai trouvé un. Et bah il y a les bêta Falco X qui sortent en permanence. Et bah je laisse plutôt, je sais, c'est pas cool, mais je laisse plutôt tester c'est laquelle, les autres. C'est laquelle ta version? Moi c'est la 1100. 81. Ce qui signifie la 1181 de chez Falco. Et voilà, exactement. Et une du propre. Coup, elle vole nickel, elle est stable, elle est parfaite. Et pour moi, honnêtement, c'est la meilleure version jusqu'à maintenant que j'ai pu voler. Et je tout confirme. Fonctionne à merveille. Je confirme, ça et fait mal. Incroyable. Ça fait mal. T'as combien de dipos sur le terrain? Là, j'en ai pris 16 avec moi
sur le sac. Ouh, mais... ça c'est déjà pas mal, c'est ce qui bombarde mec, ça voilà. Peut être pas mal. Toi tu vas passer tous tes quads sous Falco. Tous mes quads sous Falco. Tous. Je suis encore en test. Et ce serait mieux. Ça je le coupe au montage. Je le coupe au montage. Non. Si. Tu le mets. Tu voles souvent. Voilà, alors ça dépend après la météo avec voilà. Mais en moyenne, je te dirais au moins, si le temps le permet, il pleut pas, au moins une lipo ou deux par jour. Par jour. Et voilà, ça c'est sûr. D'accord. Au moins une lipo par jour, j'essaye. Et puis après. Ça peut monter jusqu'à 15 facile. Voilà, 15, 20. Et puis si des fois j'ai vraiment une bonne journée, ça m'est arrivé 35 lipos. Waouh, 35 lipos quoi. Voilà, au moins. Ah ouais, tu fais pas semblant. Je trouve un spot, je fais mes 30 lipos, tac, boum. Costaud. Puis c'est réglé. Mais on va dire en moyenne, ça tourne en 10 lipos par jour. Pour donner une moyenne générale. Voilà. Tu fais 10 lipos par jour. Entre, du lundi au dimanche. Entre 5 et 25 lipos par jour. Voilà. Du lundi au dimanche. Exactement. Aïe aïe aïe, c'est costaud. Mais au moins 2 lipos, ça prend, c'est quoi, 2 minutes pour un vol. C'est clair, c'est clair. T'arrives, il y a le soleil se couche à 21h, tu prends ton quad, tu te mets juste dans un champ. Au pire, c'est juste pour tes pouces. Pour tes pouces, pour garder pouces, voilà. Les sensations sur tu ton fais quad. 2 vols, t'en as pour 4 minutes ouais. Et tu rentres. Même si c'est après le boulot, l'école ou quoi que ce soit, tu fais tes 4 minutes. Au moins, il y a tes réflexes musculaires du pouce qui sont là. Et du coup, bah au moins, tu perds pas. Tu perds pas le feeling sur ta machine. Même si c'est en chance, c'est con, mais au moins, d'accord. T'as un spot près de chez toi ? Facile d'accès ? Ouais, oui, j'en ai un à 5 minutes. C'est un refuge. J'ai déjà fait des vidéos d'ailleurs là-bas. Ok, cool. Du coup, ça me permet d'avoir du béton pour un peu m'entraîner sur le béton et puis avoir. Pas trop peur sur le béton. Et puis du coup il y a tout là-bas, puis c'est là que je m'entraîne, c'est vraiment génial. Légal, donc je me fais pas déranger. Parfait ça. C'est nickel. Est-ce que tu veux intégrer l'équipe de Planète FPV? Ah ah, ça se discute. Ça se discute. On n'en dévoile pas plus. Ça va. Mais ça se discute. Ok, merci Alex. Mais de rien, merci à toi. Sa chaîne les gars, Alexandre Cocos. Alexandre. Oui, merde. Ok. C'est la troisième fois. On l'a refait. Ok les gars, donc n'oubliez pas de s'abonner à sa chaîne. Alexandre FPV. Allez, nice. On va passer une bonne journée. On va mettre quelques rushs tout de suite de Mister Cocos. Allez, c'est parti. Tu lances, tu fermes, tu pries, tour. C'est quoi déjà le You Drift? Putain, j'ai envie de bosser une boutade, tu sais que je pourrais dire, mais j'arrive pas. C'est pas dansé, gros. Non, c'est pas gentil de filmer. Non, parce que toi, tu vas me mettre dans ton vlog. Salut à tous, les gars. C'est waouh. Tu me fais un geste comme ça. Je sais pas, frère. Il m'a fatigué. Il se fatigue, il en a marre de lui. 70 dans le Sator. 70 70 dans le Sator. Limite, hein. C'est just. Ouais. Seb a sorti le thermomètre. Seb a sorti le thermomètre. La prochaine fois, on le met dans le cul à Tony. Ça va être pas mal. Non, j'ai de la merde. F3. Commence pas à essayer d'embrouiller mon vlog. Ça marche pas. 60-20, c'est ça que vous dites. C'est légèrement dégagé pour utiliser tout le tunnel. Celui de gauche, ce bâtiment et le bâtiment tout au fond. Non, on va faire un petit tour sur le bâtiment. On va montrer un peu les salles, les différentes chambres. Parfaite. Puis au moins tu peux même aller là. On peut faire ça. Si on tu peut veux. Se mettre là. Je pense que c'est le mieux. Hein. Tu as accès au tunnel de ce bâtiment là-bas. Ouais. Tunnel ici. Super. Pas tunnel ici du tout parce que ici tu finis dans les herbes. Mais façade, pain parasol et derrière les deux grands pains parasols, le cyprès et la façade du bâtiment qui est tout au fond. Donc on a 10 minutes ouais. Pour faire tous nos plans à cet endroit là précis. Ça prend la poussière. C'est parti.
fait, c'était une unité de retraite. Ici, c'était les salles de réfectoire. Okay. On avait les cuisines de ce côté-là et les équipes de ménage, en fait. Ouais. Et chaque bâtiment était indépendant. Donc, okay. Il y a 5 unités de retraite indépendantes. Incroyable, hein. Plus l'accueil devant la forêt du Sy, qui est là-bas. Est-ce que tu as testé quand même Betaflight? Je teste. Ou à un moment donné, tu as tout testé, c'est ce qui me semblait. Dès que c'est nouveau, je teste. Mais c'est très simple, faut comprendre un truc, c'est que Betaflight et Kiss sont plus stables que Falco. Parce qu'en fait, ils vont pas over CPU ta carte, ils vont pas être à la limite. Le truc, c'est que Falco X, ça bombarde tellement au niveau du CPU, au niveau du truc, que ton feeling est incroyable. Mais il faudra attendre. C'est NFC qui a 2 ans. Hein. Ouais, oui, tu vois. Avec des F4 et un Giro il y a 2 ans, évidemment. Et voilà, donc la nouvelle FC sera. Je peux pas spoiler, mais en gros, sera faite de façon à ce que déjà il n'y a plus de problème de noise, parce que les choses seront séparées dessus. Et du coup, le CPU, il a été testé techniquement sur un oscilloscope et sur des ordinateurs, et en gros, tu pourrais mettre un D-Shot 4000 avec 47% de CPU. C'est d'accord. Tout ce que je peux vous dire. Ça sera, ça sera un peu moins schlag quoi. Ça sera, ouais, c'est ça. Et aussi, une dernière chose, c'est qu'au niveau du stock, faut savoir que Falco X, c'est 3 personnes. C'est juste Preston, son fils, sa femme dans leur maison. Ils font ça. Ah, d'accord. Pas d'employés. Histoire familiale quoi. C'est familial, ils sont que 3. Alors, oui, des fois. C'est quand même costaud pour une histoire familiale c'est quand même. C'est bien. C'est exactement ça. Il y a ça. Du boulot donc, derrière. Il y a du boulot. Alors, moi, j'encourage les gens à. Si vous voulez vraiment avoir une performance de ouf, prenez Falco. Si vous vous dites que vous voulez plutôt avoir une stabilité et que vous n'avez pas forcément le niveau, parce qu'on va le dire, hein, certaines personnes n'ont pas le niveau pour s'en rendre compte, voilà, c'est une décision. Betafly, ça permet aussi c'est d'avoir sûr, une stabilité, d'avoir et une stabilité confiance. Et une confiance. Voilà. Il faut dire ce qu'il y a, le 8K, c'est quand même plus souple et plus tolérant par rapport aux 32K, puisque c'est les révoltes tournent sous. Révolte, en fait, c'est les boards de Flight One, de Falco, elles tournent en 32K, hein, c'est bien ça. La définition du stick est beaucoup plus grande, donc il y a, il y a beaucoup plus de marge d'erreur. C'est ce qui, ça qu'il faut ce qui est vrai, oui. Tout simplement. Pour vous conseiller, si vous voulez voler du Falco, c'est que vous voulez soit la dernière bêta, soit la une des dernières bêta. La 1181. Alors, Je l'ai bien dit. Celle-là est difficile à trouver, mais après, les dernières marchent très bien. Et une autre chose, moi, je vous ai fait des presets pour que ce soit simple. Mais si vous mettez un preset et que ça vibre et que machin, faut pas vous plaindre. Si vous prenez votre quad, vous le tunez depuis zéro. Parce qu'un preset, c'est censé aider pointu qui s'aide à moi, qui est proche de moi. Mais si vous mettez un Falco X, mon tuning, et vous volez et que ça brûle. C'est parce que vous n'avez pas checké les moteurs, pas les dés. Ok, voilà. Intéressant tout ça. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de ce bendo? Alors franchement, le bendo est magnifique. Et ce que j'espère plutôt, c'est de revenir. Revenir, c'est ce que j'allais dire. Dans une bonne vibe, peut-être carrément. Avec moins de personnes. Ouais, peut-être un peu moins de monde. C'est en vrai, tout cas, ce qui est chouette, facile. C'est qu'on a pu passer 2 jours avec Antoine qui était fantastique. On s'est marré, on a été manger des fruits de mer au bord de la plage. C'est franchement, ça le fait sud. Plaisir. Le sud, c'est vraiment pour moi une région de rêve. J'adore les gens, j'aime. Enfin, c'était vraiment génial. Tu reviendras, c'est sûr. Mais c'est clair. Salut les gars, c'est Farouk pour Culture FPV. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit trick sympa, le Yodrift. Voilà la fameuse forêt de Jussy du spot. Ouais, il y a eu de tout ici. Il y a eu de la casse, il y a eu du juice, il y a eu de grands pilotes, il y a eu de bons moments, il y a eu de sacrés éclates. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on adore ce spot. Chaque session, ici, c'est que du bonheur, toujours. Et juste derrière moi, ici, c'était l'accueil avec les bureaux, les logements des équipes et du directeur qui vivait ici. T'as passé une bonne journée mon Toto ou quoi? Franchement c'était une journée de folie. T'es éclaté, t'as juicé un peu ou quoi? Juicé de fou dans la forêt gros. Oh le bâtard, qu'est-ce qu'il fait derrière nous? Ça fait flipper. J'aurais voulu nous ça rentrer dans le cul gros. Ça fait peur. Mon calbot, est-ce que t'as passé une bonne journée mon calbot? Check si t'as passé une bonne journée. Plein de résine gros. Oh ton ciné whoop il est T'avais trop l'air de mec. T'éclater mec. Avec le ciné whoop. J'étais dans la forêt, je le voyais passer dans les Y mec, des arbres et tout. C'était le mec. Farouk, que vous venez de voir sur la chaîne de Culture FPV pour son tuto tricks. T'as passé une bonne journée ou quoi? Franchement c'était hyper cool. C'est de la bombe. Ouais, Juicy Zang Bang. Juicy Zang Bang. Yodrift. Yodrift. Ça va les boys? T'as passé une bonne journée ou quoi? Très cool. C'est vrai? Éclaté, toujours un plaisir de venir ici jouer les schlanguis. Les juicy schlanguis. Bang. Non, c'était cool. T'as ce bang bang dans la forêt un peu ou quoi? Un peu. Ouais. Ouais, c'était cool. Et deux, trois images sympas. Tu repars avec un t-shirt collector en plus. Ouais, beau t-shirt collector. C'est propre ça. Vraiment ça. Vraiment ce beau t-shirt. Waouh. Allez mec, on met ça à l'occasion ou quoi? Samedi prochain. Samedi prochain direct? T'as pas le temps. Ah, on l'a refait. Deuxième action. Salut Crazy. T'as bonjour passé une bonne journée? Ouais, très bonne journée. C'était Juicy's Bang Bang? C'était Juicy's Bang Bang. C'était Juicy Schlagos? C'était très Schlagos. C'est vrai, t'as raison, c'est tous ces moments, tous ensemble. Voilà. Le partage, le FPV, c'est vrai que c'est quand même. C'est exactement ça. C'est quand même ça, avant tout.
Un peu plus lunaire, on pourrait le dire. Ouais, ouais. Tu sens que c'est un peu plus lunaire. Passé une excellente journée, très chaude. Très chaude, je dégouline. Voilà. C'est... Très chaude cette journée. Hein. Ici, c'est la canicule. Hein. Pour ceux qui savent pas, c'est le sud. Il fait chaud, il fait beau, mais on c'est a difficile. Quoi. Bien crevé de chaud. Ouais. Mais on s'est régalé. Qui toi en fait? Pardon. Attends, mais commence pas vite. C'est bon, insupportable celui-là, non? Ouais, t'as vu celui-là. Pensez à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne de Damien. Il a 500 abonnés. Il a besoin d'un peu d'aide. Like, 500 voilà. Sur PayPal. Moi, faut faire l'outro avec moi, les gars. Bon, en tout cas, les gars, on a passé un bon moment tous les trois. C'était vraiment cool. Vous avoir vu dans le sud, ça nous a fait vraiment très plaisir. En tout cas, j'ai vraiment apprécié ces moments, ces journées avec vous. Tu nous as accueillis parfaitement. C'était cool. Ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne Escape FPV. Hein. Dépêchez-vous, hein, parce qu'il y aura plein de nouveaux vlogs, plein de trucs. Et franchement, c'est cool d'avoir du vlog vraiment humain. Je suis content si vous avez passé des bons moments. On se refait ça sur d'autres spots. Ce qu'on disait, on pourrait aller sur le spot de Johnny où il a volé. Oh là là, près de Monaco. Ouais, ouais, ça incroyable. Pourrait être grave sympa. Et puis découvrir d'autres endroits et revenir pourquoi pas sûr, ici. Quoi, c'est ouais, incroyable. Les deux fanboys de Johnny. Mais oui, il faut que tu trouves la pierre où il s'est posé, tu peux te poser dessus. Je sais où elle est la pierre, je vous montrerai. Sérieux ouais, ouais. Allez. Bon, et bah c'est parfait. Damien Gans, alias Blackbird FPV, yep. Alex FPV. Cocos sur Facebook et ma chaîne, vous la connaissez déjà. Si vous n'êtes pas abonné, dépêchez-vous de vous abonner à la chaîne, à lui aussi. A plus les babas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous mets également le lien des chaînes des pilotes que vous avez vu dans cette vidéo dans la description, juste en dessous. Vous pouvez laisser un commentaire, ça me fait très plaisir. J'y répondrai bien entendu. Et mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les boboys.